Frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Bienvenue sur TV et radio de vie. Il est 19h, heure locale, et comme euh, prévu. Donc euh, ce soir, nous commençons euh, notre émission avec euh, une demi-heure d'avance. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour les frères et sœurs qui sont chez eux et qui euh, sont connectés tous les soirs pour euh, recevoir ta pensée, ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire par ton esprit. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions, Père. Amen. Voilà, alors on va euh, tout de suite euh, prendre pour Apocalypse chapitre 16 et partager sur euh, la cinquième coupe. La cinquième coupe. Donc on a parlé déjà de euh, quatre premières coupes. Et ce soir, on va parler justement de la cinquième coupe. On va lire à partir du verset 10, Apocalypse 16, 10 et 11. Après cela, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voilà, donc on va rester un peu sur euh, cet, euh, cet écran-là de la BGC, merci. Donc, la cinquième coupe. La cinquième coupe euh, va être le jugement du Seigneur exercé, n'est-ce pas, sur euh, le royaume de l'homme impie, le royaume de l'antichrist. Et euh, nous avons un précédent, nous avons euh, euh, une histoire similaire dans les Écritures. Et vous la connaissez tous, il est question de, des jugements de Dieu envoyés en Égypte. Nous sommes dans Exode chapitre, chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 21. Puis Yahweh Dieu... Puis Yahweh dit à Moïse :« Étends ta main vers les cieux, qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher à la main. » Moïse étendit donc sa main vers les cieux. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne se levait, ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière là où ils habitaient. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez Yahweh, que vos brebis et vos bœufs seuls restent, vos petits-enfants iront avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous ferons à Yahweh, notre Dieu. Et même nos troupeaux viendront aussi avec nous. Il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir Yahweh, notre Dieu. Car nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à Yahweh, jusqu'à ce que nous soyons arrivés en ce lieu-là. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon et il ne voulut point les laisser aller. Et Pharaon lui dit, va-t'en, arrière de moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Alors Moïse répondit, tu as bien dit, je ne te reverrai, je ne reverrai plus ta face. Voilà, donc on voit bien que, euh, en fait, quand on... Il y a un parallèle qui est, qui est fait ici, hein, et, euh, les, les enfants d'Israël étaient comme... Euh, étaient l'image de l'Église, hein, l'Église qui va n'est-ce pas, être épargné et, euh, des, de la colère de Dieu. On l'a vu la dernière fois, l'Église ne traversera pas la grande tribulation, l'Église ne connaîtra pas cette période particulière, cette période difficile, euh, à la fois pour Israël et, et euh, les, euh, les personnes qui vont se convertir pendant justement la grande tribulation. Et euh, donc, l'Église ne sera pas là, l'Église ne sera plus là, elle sera, bien sûr, dans la lumière, comme les enfants d'Israël. Dans la lumière, dans la présence de Dieu au ciel, et euh, participant bien sûr euh, euh, aux noces de l'agneau. Et sur terre, ça va être le jugement sur le royaume de l'homme impie. Et, euh, et son royaume va bien évidemment englober hein, toutes les nations et euh, va s'étendre sur toute la, toute la terre, et euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et. Aucune partie, n'est-ce pas, aucune partie de la terre ne sera épargnée. Alors, à l'époque de Pharaon, ces ténèbres étaient visibles. On pouvait les toucher à la main, comme Exode le dit. Mais au temps de l'Antichrist, ces ténèbres seront bien évidemment spirituelles. Et euh, elles peuvent également être physiques, mais là, on est beaucoup plus dans euh, le spirituel. Vous savez que. Moïse était l'ombre et Christ est le corps. Moïse était la chair et Christ, c'est l'esprit. La loi de Moïse était une loi charnelle, des ordonnances charnelles, nous, dit, euh, nous, dit, nous disent les Écritures. Et, euh, et Jésus-Christ, c'est l'esprit. Hein? Donc, vous voyez qu'il y, y, y a vraiment une, 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 une opposition entre les deux. Et, euh, mais pas une opposition euh, de manière. Je veux dire, une position comme s'il y avait une guerre, comme s'il y avait. En fait, il y a vraiment une différence nette. Hein, Moïse c'est la chair, Christ c'est l'Esprit. Moïse c'est la loi, la loi charnelle et, euh, et euh, telle que la circoncision, c'était dans le corps, dans la chair. Et Christ c'est la circoncision spirituelle. Donc, vous voyez, c'est comme ça ça se passe. Donc, les ténèbres dont il est question dans Apocalypse 16 au verset 10 euh, représentent tout simplement et, euh, euh, et euh, les démons, bien sûr. Il est question ici euh, et euh, du jugement de Dieu sur euh, euh, l'antichrist. Et la parole nous dit, après cela, le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. Donc on, on apprend ici que ces ténèbres vont provoquer les douleurs. Provoquer les douleurs. Et nous savons tous que, et mes amis, quand il fait euh, nuit euh, euh, ténébreuse, il n'y a pas forcément, on ne ressent pas des douleurs. Mais là, là, ces ténèbres dont il est question ici vont provoquer des douleurs. Et, euh, et la parole nous dit qu'ils vont tellement souffrir, ces hommes et ces femmes, qu'ils vont blasphémer le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Donc on voit que et euh, de nouveau, il y aura des ulcères. Et, euh, et, euh, et ça peut être des ulcères physiques comme des ulcères spirituels. Et ils ne se repentiront pas de leurs œuvres comme Pharaon. Pharaon non plus, malgré les ténèbres qui avaient envahi son pays, et, euh, Pharaon n'a pas voulu hein, se repentir. Il n'a pas voulu se repentir. Et, euh, et le royaume, de, ténèbres, le royaume de, de, de la bête, de l'antéchrist, bien sûr, est, est un royaume qui va être très, 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 mes amis, et, euh, qui va persécuter beaucoup de chrétiens. D'ailleurs, la parole le dit dans Apocalypse, chapitre 13, et, euh, à partir du verset 1er. Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept cornes, sept euh, têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un du, lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. On voit bien que c'est toute la terre qui va être concernée. Donc le royaume de la bête ne va pas, mes amis, euh, être focalisé ou euh, ne va pas se manifester ou euh, s'établir dans un espace confiné, dans, un, dans une partie de la terre, mais ça va être toute la terre. Et on nous dit que la terre tout entière va suivre la bête. Et au vers, le verset qui suit, on nous dit... Et, euh, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. voyez, si les habitants de la terre parlent comme ça, c'est parce que qu'ils n'avaient jamais vu un homme aussi euh, puissant sur le plan physique, sur le plan éloquence, hein, sur le plan rhétorique. Et euh, sur le plan économique, sur le plan militaire. Donc, la bête, l'antéchrist ce sera vraiment un homme, à la fois, euh, mes amis, euh, puissant euh, sur le plan euh, économique hein, et sur le plan euh, rhétorique. Euh, ce sera un homme qui va maîtriser, qui maîtrise la rhétorique, l'art de parler, et euh, il saura séduire les habitants de la terre avec euh, euh, des beaux discours. Et il sera aussi, euh, bien sûr, euh, puissant sur le plan militaire. Et. Donc, les habitants du monde qui n'ont jamais vu un homme aussi puissant euh, financièrement, militairement, ils vont se dire Waouh, personne, justement, ne peut se lever contre cet homme et le combattre. Et d'ailleurs, le verset 5 nous dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil. On voit bien que à cause de ces discours pleins d'orgueil, les habitants de la terre seront séduits. Et qui peut combattre contre elle Ils vont dire. Et, euh, et on nous dit que. Et il va proférer également de blasphème et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois correspondent à 3 ans et demi. 3 ans et demi ou encore 1260 jours. Donc, on voit bien que ici, il est question d'une période bien définie, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, la bête, l'antichrist, va véritablement régner pendant 3 ans et demi. Depuis mes amis, le monde, depuis que Satan a réussi à faire tomber Adam et Ève dans le péché, bien sûr, la terre est devenue le, 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 le royaume de Lucifer, son terrain de chasse. Mais à cause de la présence, à cause de, de l'Église, ou je dirais plutôt grâce à la présence des enfants de Dieu, des croyants, grâce aussi aujourd'hui à la présence de l'Église sur terre, L'Antichrist ne peut véritablement asseoir son gouvernement. Même si, euh, sur le plan économique, son gouvernement est déjà là, économiquement parlant, avec euh, le FMI, avec la BM, la Banque mondiale, tout ça, et, et avec euh, toutes les agences de l'ONU, hein, avec euh, l'OMS, par exemple, l'Organisation euh, mondiale de la santé, et plein d'autres agences de l'ONU. Donc, nous voyons, nous savons que euh, l'Antichrist a déjà mis en place son système. Mais toutefois, cet homme, cet individu, et euh, dont, euh, que les Écritures identifient comme étant le méchant, un hein, homme, le, le méchant, euh, le fils de la perdition, cet individu n'est pas, pas encore manifesté, pas encore, ne s'est pas encore véritablement manifesté. Donc Dieu lui a donné une période bien définie qui va durer trois ans et demi. Et pendant cette, cette, ces trois ans et, et demi, L'Église, bien sûr, ne sera pas là. Et euh, les Écritures dans Jérémie chapitre 3, euh, 33, et, euh, euh, nous disent que c'est un temps d'angoisse, un temps sans précédent pour Jacob. Mais il, il en sera délivré. Jérémie chapitre 30, pardon. Et euh, je lirai à partir du verset. Et euh, à partir du verset. Et, euh, Premier, la parole qui vint à Jérémie de la part de Yahweh en disant, Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je te dis, que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit Yahweh. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que Yahweh a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi. Ainsi parle, ainsi parle, nous dit le Seigneur, euh, ainsi parle Yahweh. Nous en entendons, hein, nous entendons des cris d'effroi et de terreur. Donc il y aura des cris de d'effroi et de terreur, nous dit la parole. Il n'y a pas de paix. Donc pendant ces trois années et demie, il n'y aura pas de paix. Informez-vous, je vous prie, et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je les hommes les mains sur leurs reins? Comme une femme qui enfante. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera pourtant délivré. Donc, vous voyez bien que c'est un temps d'angoisse où les hommes auront les, les gens quand ils verront les hommes euh, pendant cette période, ils auront l'impression que ces personnes, ces hommes, sont en train de d'enfanter tellement qu'ils seront euh, dans la souffrance et, euh, et Dieu dit bien, bien que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob et non pour l'Église et allons voir dans Matthieu chapitre 24 justement à partir du verset 20 donc on va rapidement euh, parler de cette période de trois ans et demi hein. donc je pense qu'il y a déjà beaucoup ont déjà reçu des enseignements là-dessus alors, à partir du verset 15, le Seigneur dit, Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Donc, on nous apprend ici qu'il y aura pendant cette période l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Alors, si on va dans Daniel 11, on verra que Daniel a parlé longuement de cette abomination de la désolation. Et euh, on, va aller, on va revenir sur Matthieu 24, mais on va aller rapidement dans Daniel 11. Et euh, Daniel 11, et euh, à partir du verset 30, qu'est-ce que Daniel nous apprend ici? « Car les navires de Kittim viendront contre lui. Affligé, il reboussera chemin. Puis, irrité contre la Sainte Alliance, il agira contre elle. » il retournera et s'entendra avec les apostats de la sainte alliance donc il c'est qui ici c'est l'antichrist et les forces seront de son côté les forces seront de son côté et on profanera le sanctuaire qui est la forteresse et on fera cesser on fera cesser et on fera cesser le sacrifice perpétuel et on y dressera l'abomination qui causera la désolation et il corrompra, il, c'est l'Antichrist, il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Donc, il va corrompre une partie des Juifs, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. Donc, il y aura des Juifs qui vont se révolter contre lui quand ils vont voir cet homme, l'Antichrist, souiller le temple, n'est-ce pas Et cette euh, cette, ce groupe des Juifs euh, va se lever pour, pour se, 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 attaquer ce monsieur, cet homme. Et, euh, et le verset 33 nous dit, Et les plus intelligents parmi le peuple donneront instruction à plusieurs. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront, se joindront à eux par hypocrisie. Et quelques-uns des hommes intelligents succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, on voit bien que Daniel nous apprend que ces choses-là vont avoir lieu au temps de la fin. Nous savons, selon l'histoire, que cette prophétie s'est accomplie partiellement au deuxième siècle avant Jésus-Christ, entre l'an 161 et l'an 163 avant Jésus-Christ. Antiochus Épiphane, roi euh, gréco-macédonien arrive à Jérusalem avec une puissante armée, il va, n'est-ce pas, euh, euh, destituer le grand prêtre de l'époque hein, et il va le remplacer par un, un grand prêtre euh, qu avait, qui était corrompu et, euh, et il va interdire la lecture de la Torah, il va interdire la circoncision et il va aussi interdire l'observance de, de Shabbat et aussi de la, des lois mosaïques aux, aux Juifs il va faire cesser le sacrifice euh, dans le temple le sacrifice il euh, euh, y en avait plusieurs, hein, notamment euh, le sacrifice principal qui était offert le 10 du mois de, euh, de, de Tishri ou le mois des Tamim, le 7 e mois par le grand prêtre lorsqu'il rentrait le 10 du 7 e mois dans le Saint de saint pour offrir les sacrifices pour le peuple et pour lui-même, il va interdire Antiochus va interdire ce sacrifice ce sacrifice et il va Carrément sacrifié sur l'autel, n'est-ce pas, dans le temple, il va sacrifier dessus un porc, un porc, l'animal le plus, le plus répugnant, le plus, mes amis, souillé, le plus impur chez dans, dans, dans le judaïsme, et il va carrément sacrifier un porc au dieu Baal, Amon et, ou encore Zeus, et ça va être ce sacrifice-là va souiller le temple. Et ça va provoquer la colère des Maccabées, toute une famille, euh, Judas notamment. Et, euh, et, euh, et ils vont se lever contre cet homme, comme Daniel a prophétisé. Et ils vont purifier le temple. Ils vont de nouveau consacrer le temple à Dieu, d'où la fête hein, de la dédicace. Et, euh, et euh, voilà. Et le Seigneur nous apprend que ce que Daniel a, a annoncé va se reproduire. Ce qui s'est passé avec Antiochus et va se reproduire. Et nous avons ici... Euh, un archétype hein, de euh, l'antichrist donc euh, Antéchrist et il y a aussi d'autres archétypes d'autres images d'antichrist euh, notamment Pharaon Pharaon dont le royaume était frappé par les ténèbres et Pharaon a persécuté énormément les, ju les juifs les enfants d'Israël si vous lisez, vous lisez, vous connaissez cette histoire dans Exode chapitre 1 comment il a tué, fait tuer des enfants hein, parce qu'il ne voulait pas que ce peuple se multiplie et c'est la même chose qui va se reproduire. C'est la même chose qui se reproduit, avec, euh, qui se reproduit avec, euh, avec Hitler, qui a massacré des millions de juifs, près de 6 millions de juifs. Vous voyez, l'histoire se répète. Donc Hitler aussi était une image de l'antichrist, un, un type d'antichrist. Et dans les temps à venir, et nous pensons qu'on y est pratiquement, après l'enlèvement de l'Église, eh l'antichrist va euh, persécuter particulièrement Israël et les Écritures nous apprennent que le temple, bien sûr, sera souillé, bien comme il faut, le temple de Dieu. Et si vous lisez et euh, Daniel 9, à partir du verset 24, euh, c'est la même prophétie que Daniel 11, hein, que Matthieu 24, 15. Parce qu'il faut. On, on, je vous explique d'abord pourquoi Dieu va frapper le royaume de l'Antichrist pourquoi Dieu va frapper euh, des ténèbres euh, la terre. Hein, C'est à cause justement de l'Antéchrist. C'est à cause de sa rébellion contre Dieu. C'est à cause de son comportement à, 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 arrogant, hein, de ses propos euh, euh, arrogants vis-à-vis -vis du Seigneur. Et euh, voilà. Et la parole nous dit, il y a... Et, euh, on va commencer par le verset 22 pour comprendre un peu le, le, on va aller un peu voir le contexte. Verset, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé attentif à la parole et comprends la vision. Il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le sein de saint. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le conducteur, il y a sept semaines et soixante deux semaines, et les places et les brèches seront rebâties, mais en de temps d'angoisse. Et après ces soixante semaines, le Messie sera retranché. C'est ce qui s'est passé. Christ, a été, Christ est mort et ressuscité et retranché, il est parti au ciel, mais non pas pour lui le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation le chef qui viendra pour détruire la ville c'est titus dans un premier temps qui est venu en l'an 70 après Jésus-Christ et il a détruit incendié le temple de Jérusalem l'histoire nous apprend que c'est un soldat romain par mégarde qui va faire tomber sa torche sur le rideau du temple et il va y avoir un incendie et le temple de Jérusalem qui avait été restauré par Hérode pendant 46 ans, avait de l'or sur sa façade. Il y avait de l'or, et à cause du feu, l'or a commencé à couler, et les soldats romains, pour récupérer ce métal, vont, n'est-ce pas, démonter ce temple, pierre par pierre, pour récupérer de l'or. Confirmant ainsi la parole de Yeshua, qui disait dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Vous voyez donc, l'histoire nous a confirmé l'accomplissement de cette parole prophétique de Yeshua. Et le Seigneur dit que le chef d'un peuple viendra pour détruire la ville. Et là, l'histoire nous, nous parle de ce chef-là comme étant Titus. Mais nous savons que euh, euh, ce chef aussi fait allusion, donc euh, représente l'Antichrist, qui va détruire Jérusalem, qui va rassembler les nations pour attaquer Jérusalem dans le but de la détruire. N'est-ce pas? Et, euh, et la parole nous dit au verset 27 Et. Euh, euh, Verset euh, verse 26, pardon. Et il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une guerre. C'est la guerre d'Armageddon. Et il confirmera, qui Il, l'Antichrist. Il confirmera l'alliance avec, avec, hein, à plusieurs pour une semaine. Il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine. Et la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis, par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation même jusqu'à une consommation déterminée la désolation fondra sur le désolé. Donc on nous dit qu'il va faire une alliance, il va confirmer l'alliance qui existe déjà. L'alliance mosaïque, il va la confirmer avec plusieurs juifs, ils vont croire que cet homme viendra, euh, ils vont croire qu'il est venu pour les aider parce qu'il va parler de l'alliance mosaïque. Il va parler des sacrifices. Et on nous dit que il va confirmer cette alliance avec eux pour une semaine. Alors une semaine ici on nous parle d'abord de 62 semaines, ensuite on nous parle d'une semaine, n'est-ce pas? Et, euh, et les 62 semaines se sont déjà accomplies. Il reste une semaine. Et cette semaine-là est une semaine prophétique. C'est une semaine prophétique, c'est-à-dire un jour équivaut à, à un, un jour est équivaut à un, un, un an. À une année. Un jour, une année. Et euh, donc, ça veut dire que. L'Antichrist va faire une alliance, il va conclure une alliance avec les Juifs, avec plusieurs Juifs, pour sept ans. Et les trois ans et demi premiers, il paraîtra comme un homme doux, comme un homme gentil. La terre dira "Ça c'est vraiment un grand homme, tout le monde sera séduit." Même beaucoup de pasteurs qui, qui le sont déjà au jour d'aujourd'hui. Et au milieu de la semaine, il va rompre cette alliance. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et là, les trois ans et demi qui restent, qui restent là, qui, qui vont venir, hein, ça va être la période de la grande tribulation. Alors pour vous montrer que un jour égale un an, nous allons voir rapidement dans Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel 4. Donc c'est une semaine prophétique. Et euh, regardez ce que Dieu dit à Ézéchiel ici. Toi, fils de l'homme, prends une brique et place-la devant toi et trace-y la ville de Jérusalem. Puis tu mettras le siège contre elle, tu battras contre elle de retranchements, tu élèveras contre elle des terrasses, tu mettras des camps contre elle et tu mettras autour d'elle des béliers pour la battre. Tu prendras aussi une plaque de fer et tu la mettras comme un mur de fer entre toi et la ville. Tu dresseras ta face contre elle, elle sera assiégée et tu la siégeras. Ce sera un siège pour la maison d'Israël. Après, tu dormiras sur ton côté gauche. Sur ton et ensuite, tu dormiras sur ton côté gauche. Mais l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Et je t'ai assigné un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Ainsi, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli ce jour-là, tu dormiras une seconde fois sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Un jour pour chaque année, car je t'ai assigné un jour pour chaque année. Vous voyez? Donc ici, on apprend que un jour représente aussi une année pour le Seigneur. Un an, euh, 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 voilà. Et ailleurs, on nous dit que un jour représente aussi mille ans, mille ans, un jour. Voilà. Mais là, là... Prophétiquement, un jour c'est un an. Donc, vous voyez bien que cette semaine, non, une semaine, c'est sept ans euh, selon euh, la pensée de Dieu. Alors, au milieu de sept ans, c'est-à-dire trois ans et demi après, euh, l'Antichrist va se manifester. Il va euh, souiller le temple, il va faire n'importe quoi dans le temple. Et là, les gens, les Juifs verront que ce n'était pas le Messie. Et là, il va attaquer Jérusalem. Joël Roi nous dit que la ville sera coupée en deux. Et, euh, et le Seigneur dit dans Matthieu 24, qu'on repart là-bas dans Matthieu 24. Le Seigneur dit, et euh, à partir du verset euh, euh, 20, il dit... Or, quand vous verrez l'abomination, on l'a lu, hein, qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel, le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. La Judée, hein, c'est Judas, c'est là où il y a, c'est là, voilà, c'est Israël aujourd'hui, tout simplement suis dans les montagnes. Donc le Seigneur nous apprend qu'il demande aux Juifs de fuir dans les montagnes. Les montagnes sont les nations. Donc de nouveau, il va y avoir une dispersion des, des Juifs dans les nations pendant la grande tribulation. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi un jour de sabbat Parce que, euh, 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 Exode 16, 28. Euh, euh, dans ce passage, Dieu disait aux enfants d'Israël que le jour de Sabbat, ils ne devaient pas, n'est-ce pas, faire près de euh, plus de 2000 coudées. Il fallait qu'ils restent à l'endroit où ils étaient. Et comme les Juifs, beaucoup de Juifs ont rejeté le, le Messie, Yeshua, eh bien, ils ne voudront pas, pendant la grande tribulation, euh, euh, faire plusieurs kilomètres pour se sauver, pour aller dans d'autres pays. Alors ils vont, n'est-ce pas se faire massacrer. Et voilà comment le Seigneur, pourquoi le Seigneur dit, priez pour que ce jour-là, c'est-à-dire la grande tribulation ne tombe pas, hein, ne commence pas un jour de sabbat, pour que vous ayez le temps de vous sauver. Car il y aura une grande tribulation. Vous voyez bien qu'on nous parle de la grande tribulation. C'est une période de trois ans et demi, tel qu'il n'y en, qu en a point eu depuis, que, euh, depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Et si, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire les Juifs et aussi ceux qui vont se convertir pendant cette période-là. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà. Donc le Seigneur nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Ce sera terrible. Et, euh, et c'est là, hein, pendant le règne de l'Antichrist, que, euh, que, que le Seigneur va déverser la, sixième, euh, la cinquième coupe. Voilà. Et c'est les ténèbres. Pourquoi les ténèbres Parce que tout simplement, et, euh, le royaume de l'antichrist est un royaume ténébreux. Hein? Ça nous renvoie aux ténèbres de Genèse 1. Au commencement, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Voilà. Et euh, c'est vraiment les ténèbres. Et regardez bien, regardez bien dans Apocalypse et, euh, et, euh, 17. On nous dit qu'il y a une bête qui monte de l'abîme. Hein? La bête qui monte de l'abîme. c'est l'antichrist. La, Hein, les abîmes au-dessus desquels régnait euh, et, euh, les ténèbres de Genèse 1. Voyez? Et euh, la bête qui monte de, de, de l'abîme va bien sûr et, euh, combattre les enfants de Dieu, combattre les saints. voilà Attaquer les saints bien comme il faut. Et, euh, et c'est terrible, mes amis. On est vraiment dans une période difficile, dans une période compliquée. Et euh, au verset euh, on va voir dans Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé de la fondation du monde. Voilà. Donc, c'est le royaume de l'homme impie qui sera frappé. Il y aura des ulcères de nouveau il y aura les ténèbres. Esaïe 60 nous dit, verset premier, lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Regardez, on va aller rapidement lire ce passage, euh, ce passage dans Esaïe 61. Vous voyez ces ténèbres là, mes amis, euh, qui, elles arrivent, ces ténèbres. Hein, donc c'est pour cela que il faut vraiment se préparer pour le retour du Mashiach. Hein, et euh, voilà, lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Voilà, donc ce sont les ténèbres qui sont déjà là, c'est le péché, c'est le royaume de ténèbres. Et ces ténèbres dont il est question dans Genèse, dans, dans Apocalypse 16 là-bas, eh c'est tout simplement les démons qui vont vraiment occuper, c'est-à-dire ils n'auront plus de frein, parce que ce qui freine l'activité démoniaque un tout petit peu, c'est la présence de l'Église. Et là, quand, quand l'Église ne sera plus là, ces ténèbres-là vont s'abattre sur la terre. Et euh, il y aura tellement d'abominations, tellement d'atrocités, tellement de problèmes. Ce qu'on connaît aujourd'hui, frère, c'est rien. Ce que nous connaissons, ce que nous subissons sur terre, présentement, c'est rien en comparaison de ce que les gens vont subir, vont vivre pendant le, 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 le déversement, le versement de la sixième coupe. Ça va être de, ça va être de la cinquième coupe, ça va être de la souffrance, une souffrance terrible, parce que les démons ne seront plus freinés. Ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont détruire des vies, vont, et ça va être terrible. Alors les gens ne pourront pas se repentir parce que parce qu'ils ils auront déjà la marque de la bête. Voilà, mes amis. Et euh, ils, les ténèbres seront tellement épaisses, tellement présentes, hein, les démons, hein, le, le, le péché, hein, parce que les ténèbres représentent aussi le péché, il y aura tellement le péché, et que les gens euh, eh n'auront ben, euh, qu'à... Qu ils vont se morfondre, ils vont euh, blasphémer contre le Seigneur, tout ça, et euh, ils, vont, ils vont souffrir de toutes sortes d'ulcères, de douleurs. Ces douleurs-là sont provoquées, seront provoquées par les démons, par les ténèbres, et ils ne vont pas se repentir de leurs œuvres. Donc Dieu va juger euh, les habitants de la, de, de la terre à cause de leurs œuvres. Que Dieu nous garde frères et sœurs. Donc on fait une pause et nous allons reprendre tout à l'heure pour parler de la sixième coupe. Que Dieu soit béni. On va faire une pause de quelques minutes. Que Dieu vous garde. Qu'il nous garde, mes amis, au nom de Yeshua. Amen.